Mesdames et messieurs, nous débutons cette semaine justement accompagnés de cette fidélité que vous renouvelez sur Congo Live Télévision. Je vous le disais, mesdames et messieurs, depuis la semaine passée, nous sommes revenus longuement sur les affrontements qui se poursuivent entre les forces armées de la République démocratique du Congo, les Wazalendo. Ils font face justement à cette coalition RDF M23 dans les territoires de Rutshuru et les territoires de Masisi. Comme je parle du territoire de Rutshuru, on va revenir sur ce qui a caractérisé la fin de la semaine passée avant d'aborder aussi d'autres points sur cette nouvelle semaine. Le dimanche, donc hier, mesdames et messieurs, dans les territoires de Rutshuru, les crépitements des balles ont été entendus à Cachalira. Cachalira, voilà, c'est aussi une entité toujours dans les territoires de Rutshuru. Ce n'est pas seulement à Cachalira. Nous avons aussi l'entité de Katolo, Kikuku. Kikuku, c'est toujours dans la chefferie de Bouito, en territoire de Rutshuru, Bualanda et Rwindi. C'était de 4h jusqu'à 18h. Voilà, donc toute la journée de ce dimanche a été aussi mouvementée justement par ces crépitements des balles. Et ce sont des crépitements des balles justement qui ont une raison d'être parce que les FARDC sont en train de tout faire pour reprendre d'autres entités qui aujourd'hui sont contrôlées par les rebelles du M23 et les RDF. Et pour y arriver, mesdames et messieurs, ça passe par justement un coup de force et c'est ce que les FARDC continuent toujours de faire. Alors, donc, mesdames et messieurs, tout ça démontre combien de fois, c'est vrai, j'ai déploré et je ne cesserai de le faire, j'ai déploré le fait de laisser le M23 la journée des samedis sans pour autant faire des affrontements. Ce n'est pas quand même normal. Voilà pourquoi aujourd'hui nous observons une petite résistance de la part de ces ennemis. Parce qu'aujourd'hui on pouvait déjà compter d'autres entités récupérées par les FARDC. Je vous dis, c'est lundi même, on pouvait compter les entités récupérées par les FARDC hier dimanche. Mais pourquoi il y a eu cette résistance? Parce qu'ils ont eu le temps quand même de se réorganiser. Et je vais encore une fois vous donner les conséquences de ce temps qu'on leur a laissé pour qu'ils puissent justement s'y réorganiser. Je vais vous en parler, mesdames et messieurs, toujours dans cette émission. Mais au-delà de ça, en gros, il faut dire que les FARDC se comportent parfaitement bien et les Wazalendo. Parce que d'abord, c'est lundi, mesdames et messieurs, comment les choses se déroulent. Un calme s'observe dans quelques collines. Voilà, dans quelques collines, on peut signaler cette accalmie. À part Malianga, Kitereko, nous avons aussi la colline de Mwamba. Alors, sur ces collines, depuis 5 heures de ce lundi, justement, mesdames et messieurs, les affrontements sont signalés. Voilà, je le disais, un calme s'observe sur certaines collines. Mais dans d'autres collines, voilà, à part les collines de Malianga, Kitereko et Mwamba, voilà, c'est sur ces collines où il y a des affrontements, mesdames et messieurs, toujours dans les territoires des Rutshuru et d'autres sont signalés à Masisi. On fera des points aussi sur Masisi. Mais comme c'est toujours dans le territoire des Rutshuru, focalisons-nous, mesdames et messieurs, sur les déroulements, sur les faits, justement, parce que c'est aussi ça, le professionnalisme qui nous a toujours caractérisés. Nous vous donnons les précisions sur tout ce qui se passe. Quand il s'agit des affrontements, c'est avec précision, avec force, détail, qu'on essaie un peu de vous informer, messieurs et dames. Donc, Malianga, Kitereko et Mwamba sont les trois collines justement qui sont concernées par les affrontements opposant les FARDC Wazalendo au RDF M23. Alors, je le disais, c'est depuis 5 heures de ce lundi, 5 heures qu'il y a tous ces affrontements. Alors, les entités toujours sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. On va aussi en parler parce que déjà les FARDC toute la semaine ont récupéré beaucoup beaucoup d'entités et les M23 n'ont pas pu reprendre ces entités entre les mains des FARDC. Jusque-là, ce n'est pas le cas, mais bien au contraire, nous voyons la détermination et nous voyons les FARDC toujours poursuivre avec les offensives sur l'ennemi. C'est vrai, ça s'est fait à distance, oui. Tout, quand vous écoutez les FARDC frapper l'ennemi, c'est toujours à distance que les FARDC les font. Ce n'est pas des combats corps à corps. Donc, vous pouvez voir les FARDC, même à 5 km des positions occupées par l'ennemi, mais les FARDC ont la capacité de les attaquer là où ils sont. Parce que facilement, avec l'artillerie,
de l'armée. Mesdames et messieurs, facilement, on est en train de bombarder là où se trouve l'ennemi. Et c'est comme ça qu'ils fuient, même parce qu'ils ne résistent plus. Quand c'est avec. Si ce sont des bombardements avec une forte intensité, les RDF M23 ne résistent pas. Et c'est ce qui explique, mesdames et messieurs, la reprise de toutes ces entités par les forces armées de la République démocratique du Congo. Et voilà, mesdames et messieurs, les entités sous contrôle des FARDC sont Tchagala. Nous avons aussi Lusuli, Mirangi. Voilà, mesdames et messieurs, Mirangi qui est aussi contrôlé toujours par les FARDC, Lusoga, Birundule, Kitolu et Kirere, toujours entre les mains des FARDC, sans oublier aussi Bouluma. Voilà, c'est toujours dans les territoires de Rutshuru. Et là, nous sommes beaucoup plus dans la chefferie des Bouito, où les FARDC, justement, sont en train d'imposer un coup de force au M23 RDF. Alors, au même moment, les FARDC bloquent toute tentative. C'est la phrase d'ailleurs qu'il faut retenir parce que dans toutes les parties aujourd'hui concernées par ces affrontements, tous ces territoires, mesdames et messieurs, je vous le rassure, les M23 tentent toujours de récupérer les entités, mais en vain. Ils n'arrivent pas à les faire parce que les FARDC sont en train de débloquer, je vous dis bien, toute tentative des M23 RDF et surtout vers Kanyabayonga. Parce que les M23 voulaient avancer vers Kanyabayonga. Parce que vous le savez, c'est à Kanyabayonga où les populations ayant fui la chefferie des Bouito s'étaient rangées directement à Kanyabayonga où il y a aussi un camp des déplacés. Alors les M23 voulaient aller vers Kanyabayonga et heureusement les FARDC ont bloqué toute tentative de ces rebelles. Et c'est ce qui explique, mesdames et messieurs, leurs difficultés face au FARDC. Parce que les FARDC ont bloqué toute tentative de M23 et ont réussi à capturer les militaires RDF. 12 militaires capturés. Aujourd'hui, 12 militaires ont été capturés entre, disons, qui voulaient aller vers Kanyabayonga. Ces militaires ont été capturés par les FARDC. Et aujourd'hui, au-delà de ces capturés, les FARDC ont neutralisé d'autres. Donc, on les a tués. Parce que c'était juste des militaires qui voulaient à tout prix avancer. Alors, ils ont été tués. Et d'autres, parmi les 12 capturés, ceux-là qui voulaient fuir, ils sont tombés directement dans les filets des FARDC. Voilà ce qui explique, mesdames et messieurs, comme je suis toujours en train de vous les dire, la force des FARDC et des Oise-Lindo sur les ennemis de la paix. Parce pour capturer ces gens, il y avait aussi les concours des Oise-Lindo qui ont facilité au FARDC justement de mener très bien ces combats. Donc les 12 capturés et d'autres ont été justement neutralisés. Voilà, mesdames et messieurs. Et pour que les M23 arrivent facilement à avancer avant d'être stoppés net par les FARDC, les M23 se sont camouflés. Ils ont pris les tenues des militaires FARDC, donc ils ont porté les tenues des FARDC et s'est camouflé même dans la foule pour qu'on puisse croire que ce sont les FARDC. Heureusement, par clairvoyance, par vigilance des forces armées de la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs, on les a dénichés et c'est comme ça que les uns ont été capturés. Ils ont été dénichés facilement parce qu'ils voulaient se camoufler, porter les tenues des FARDC. Mais ben, on a vu, ce ne sont pas les nôtres, donc il faut tout faire pour les mettre en difficulté. Et ce qui a été fait, voilà pourquoi on les a capturés. C'était toujours dans le territoire des Rutshuru. Alors, toute tentative des M23 est toujours, n'arrive pas à bien marcher parce que les FARDC, cette fois-ci, au-delà de la force qu'elles ont pour justement anéantir l'ennemi, aujourd'hui, les FARDC sont en train aussi de tout faire pour anticiper. Parce que nous savons tous que l'ennemi multiplie des stratégies pour venir encore une fois avec force et prendre les décisions sur les FARDC. Voilà pourquoi les FARDC sont en train de mettre en échec tous les plans développés par nos agresseurs. Et ça marche toujours, mesdames et messieurs. Voilà pourquoi nous sommes en train de saluer ce grand travail, cette détermination des forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, dans les territoires de Masisi, parce que tous ces points que je viens d'évoquer, c'est dans les territoires de Rutshuru, dans les territoires de Masisi maintenant, là, il y avait
des mauvaises nouvelles qui pouvaient aussi nous mettre sous le choc. Heureusement, les choses sont revenues à la normale. Et là, nous sommes dans la zone minière des Lumbishi, mesdames et messieurs, en territoire des Kalehe, province du Sud-Kivu, tout près de la cité des Minova. Là, les M23 se sont plus rapprochés et ont même réussi à récupérer momentanément une entité. Et là, je parlais de ce village des Lubishi, récupéré par les M23 momentanément. Et comment est-ce qu'ils ont récupéré ces villages? C'était sans même un seul crépitement de balles. Il n'y a pas eu affrontement avec les FARDC, ni les Wazalendo. Et c'est de la même manière que les M23 ont quitté cette entité. Parce que comme je viens de vous le dire, ils ont récupéré, sans qu'il y ait des coups de balles, sans qu'il y ait des accrochages avec les FARDC, et c'est de la même manière qu'eux-mêmes ont abandonné cette entité, mesdames et messieurs, toujours dans les territoires de Kalehe. Nous sommes en province du Sud-Kivu, tout près de la cité de Minova. C'est donc le village de Lumbishi qui a été occupé, je dis bien momentanément. Voilà, il ne faut pas que les gens viennent vous tromper en disant que les M23 contrôlent toujours ces villages. Non, eux-mêmes ont pris ces villages et eux-mêmes ont jugé bon d'abandonner. Parce qu'aujourd'hui, je vous l'ai toujours dit, les M23 sont à court de stratégie. Ils n'ont plus de stratégie qui peuvent leur permettre de faire face au FARDC. Parce que les M23 ont compris, si une fois ils continuent à rester là-bas, il y aura même des fronts qui vont quitter Bukavu et venir pour les anéantir de ce côté-là. Alors pour eux, c'était une occasion, disons, une façon de se mettre en difficulté. Parce qu'il y avait les fronts qui pouvaient venir du sud pour venir les frapper et au nord un autre front. Et là, ils n'avaient pas la possibilité d'aller, de se ranger directement au niveau de l'ouest, parce qu'à l'ouest, là, nous avons les lacs qui est là. Ils ne pouvaient pas aussi prendre les larges vers l'est, parce que ça pouvait, disons, oui, le nord, là, c'est le nord maintenant. Parce qu'en allant vers le sud, ça aurait été très difficile pour eux, parce qu'il y a les lacs. Vers le nord, il y a aussi d'autres positions où on a les FARDC qui pouvaient venir et les mettre et les encercler. Et là, ils ne pouvaient même pas trouver une issue. C'est pour cela qu'ils ont jugé bon d'abandonner cette cité. Comme ils ont pris ça, qu'il y ait des accrochages, c'est de la même manière qu'ils ont abandonné. Les FARDC ou les Wazalendo ne sont pas venus pour les repousser. Mais eux-mêmes ont jugé bon de quitter parce que ça allait être catastrophique pour eux, se retrouver sans aucune issue face au FARDC et au Wazalendo. C'est ça, mesdames et messieurs, voilà pourquoi les M23 ont abandonné la zone minière de Lumbishi, toujours en territoire de Kalehe, près de Minova, c'est justement dans la province du Sud Kivu. Alors, les M23, pour aussi, parce que souvent quand ils quittent une entité, c'est toujours compliqué. Moi-même, j'ai pitié pour eux quand je suis toujours en train d'évoquer cette façon de faire pour les rebelles de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, comprenez encore une fois qu'ils ont quitté ce village, voilà, de Lumbishi, en pillant encore une fois les biens de la population. Ils ont pillé des biens, même des bétails de population. Ils ont pris tout ça. Voilà, même les produits agricoles que les gens avaient déjà récoltés, les M23 ont pillé tout ça. Ils sont partis avec. Et comprenez encore une fois que c'est toujours des comportements aussi qui ne rassurent pas pour ces agresseurs de la République démocratique du Congo. Voilà, donc ils ont pillé les biens de la population et une fois de plus, c'était toujours dans les territoires des Masisi. Voilà, mesdames et messieurs. Donc, en gros, il n'y a pas justement des mauvaises ou disons un mauvais comportement de la part des FARDC et des Wazalendo, sauf les week-ends, les fêtes pour nous de donner le temps à l'ennemi pour qu'il réfléchisse aussi comment il peut récupérer des entités, ça les a permis justement de récupérer voilà ces villages de Lumbishi au sud Kivu. Mais heureusement, eux-mêmes ont compris que c'est une très mauvaise stratégie. Facilement, ça, ils seraient anéantis par les FARDC. Voilà pourquoi ils ont abandonné. Mais côté congolais, on n'a pas droit aujourd'hui à observer nous-mêmes les cessez-les-faits. Ça, on n'a pas ces temps-là. Donc, il faut tout
faire pour nous rattraper? Parce qu'on a, nous avons, nous venons d'acquiser un grand retard avec tout ce temps qu'on a laissé à l'ennemi de rester longtemps sur toutes ces entités. Alors aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est continuer avec des combats intenses. Moi, je suis toujours en train de saluer ce que les Oisalendo continuent toujours de faire. Parce que depuis que cette guerre a commencé, c'est rare de voir les FARDC faire des combats corps à corps avec les M23. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas en mesure de les faire. Parce qu'aujourd'hui, les FARDC utilisent d'abord l'artillerie, des frappes à distance pour anéantir l'ennemi. Et aujourd'hui, ça continue toujours à payer. Ce sont les Oisalendo, quand il s'agit des combats corps à corps, qui sont là en train de découdre avec les M23 RDF. Ce sont ces Oisalendo, je vous dis, mesdames et messieurs, qui les font efficacement. Mais les FARDC peuvent aussi les faire. Mais pour y arriver, mesdames et messieurs, ce n'est pas aussi facile. Mais les FARDC peuvent justement les faire. Mais heureusement, nous avons des ressources nécessaires. Si on ne les fait pas, les combats corps à corps, facilement, on peut procéder par des tirs de mortier. Et c'est ce qui se fait toujours. Et les M23 abandonnent des entités subissant des frappes des FARDC. C'est toujours des morts qui sont comptées chez nos agresseurs. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui doit nous mettre en parfaite, aussi, disons, comment dire, en parfaite position, dans une position de force, et en découdre, disons, et aborder d'autres points qui vont venir après. Parce qu'aujourd'hui, je suis toujours en train de saluer le travail des FARDC et des Oisalendo. Mesdames et messieurs, on va terminer en faisant un petit coup de gueule au sénatorial en province du Nord Kivu. Le Nord Kivu a aujourd'hui ses quatre sénateurs. Et là, nous avons Jacquemain Shabani, qui est jusque-là conseiller du chef de l'État Félix Tshisekedi. Parmi les conseillers spéciaux, voilà, il est là. Jacquemain Shabani vient d'être élu comme sénateur. Nous avons Jean-Marie Katokolio. Nous avons aussi Papi Machozi, sans oublier Célestin Vunabandi qui revient encore une fois comme sénateur. Les mêmes craintes, ou disons les mêmes réclamations, les mêmes dénonciations, voilà les termes, à Kinshasa et dans d'autres provinces, disant qu'il y a eu des corruptions dans ces sénatoriales. Ici, les gens sont montés encore au créneau pour dire qu'il y a eu corruption. Même ici en province du Nord, qui vous disent même qu'il y a des candidats qui ont donné entre 70 et 75 000 dollars à un seul député pour qu'il vous donne sa voix. Et les gens ont obtenu, disons, sont passés de sénateur. Moi, je ne dis pas que tous ces quatre que je viens de citer ont donné de l'argent aux députés. Mais ceux-là qui n'ont pas donné, et là, moi-même, j'ai des précisions, ceux-là qui n'ont pas donné de l'argent ne sont pas passés. Parce qu'ils étaient au total 34 candidats. Mais parmi les 34, 4 viennent d'être élus. Mais il faut voir de quoi ils sont acquis aujourd'hui. Donc, moi, je suis en train de voir une composition de l'Assemblée nationale et du Sénat teintée, ou disons, précédée d'abord par des actes de corruption. Et ça, c'est l'image que nous donnons toujours à notre pays. Et quand un sénateur qui a donné à un député son argent, l'idée qu'il a en tête, dès qu'il sera en train de siéger comme sénateur, il faut à ce qu'il retourne son argent qu'il a dépensé dans la campagne. Et ça sera toujours comme ça. On envoie des gens à Kinshasa, même dans l'Assemblée, tout comme dans le Sénat, pour qu'ils puissent remplir leurs poches parce que dès le départ, ils ont dépensé. Et c'est comme ça sera toujours comment dire, des caisses de résonance pour l'exécutif. Et il n'y aura pas de grandes réformes, des réformes aussi nécessaires, des réformes opportunes pour que les choses avance dans les pays. Et avec ça, mesdames et messieurs, est-ce que vous pensez que nous sommes en train de répondre efficacement aux besoins de la population, ou soit nous sommes en train de répondre à nos propres besoins? Parce que ce sénateur-là, il faut à Kinshasa, il va tout faire pour qu'il reprenne son argent, l'argent qu'il a dépensé. Et là, il travaille pour lui-même, c'est pas pour la population. Et on est en train de mettre de côté les bons projets des sociétés. Les candidats qui viennent. Et quand vous les écoutez en train de parler, vous êtes vous-même convaincu par leur intelligence, parce qu'il y a des fois, au Sénat, c'est les parler.
à l'Assemblée nationale, c'est les parler. Quand vous n'êtes pas en mesure de faire votre propre campagne, ici à l'hémicycle provincial, devant les députés provinciaux, mais comment est-ce que vous allez répondre ou, disons, intervenir dans les grands débats au niveau de l'Assemblée nationale? Et là, nous avons vu quand même certaines têtes tomber parce qu'ils n'ont pas procédé à la distribution des billets verts pour convaincre les députés provinciaux en fait de voter pour eux. Et voilà, on a quatre sénateurs. Nous ne pouvons que leur souhaiter bonne chance et qu'ils sachent justement que le Nord qui vous compte, c'est en est, là où ils seront, qu'ils travaillent pour l'intérêt de la province du Nord Kivu, parce que ce sont des sénateurs provinciaux. Le Nord Kivu a plusieurs défis et on n'a pas besoin d'avoir les abrutis pour nous représenter. Donc, si vous allez à Kinshasa, sachez très bien que c'est pour répondre aux besoins de la population. Les défis auxquels votre province est confrontée, vous êtes appelés à contribuer pour que les solutions soient trouvées. Vous êtes là pour pousser l'exécutif à faire mieux. Quand il y a des ministres qui ne font pas bien leur travail, convoquez-les et à vous de les soumettre justement aux exercices des questions-réponses qu'ils vous expliquent. Et si vous n'êtes pas convaincu par les explications, vous pouvez mettre d'autres mécanismes pour les destituer. Au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du Sénat, c'est le travail que vous devez faire, pas des théâtres qu'on a vu avec la législature passée, dans la législature passée. Donc, pour cette législature, le peuple sera très, très rigoureux. Moi, je sais que vous, à un certain moment, vous minimisez la force de la population. Vous allez croire encore une fois que vous reviendrez ici qu'en 2028 pour solliciter encore les suffrages de cette population. Mais pour obtenir cela, ça passe par un travail efficace. Si vous n'avez pas bien travaillé, nous tous ici, je vous dis, si Dieu nous prête toujours vie, on sera là pour vous décourager et donner une bonne orientation à la population. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Une province comme celle du Nord Kivu n'a plus besoin des garçons de course pour la représenter. Ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons avoir des hommes capables de porter haut la voix de la population nord-kivoucienne. Et c'est partout dans toutes les provinces, parce que je suis certain que vous nous suivez partout en République démocratique du Congo. Cette fois-ci, nos compatriotes de la diaspora, vous avez aussi la possibilité de voter. En Afrique du Sud, nos compatriotes ont voté. En France, aux États-Unis et d'autres se trouvant même en Belgique ont voté. Donc aujourd'hui, même la diaspora est concernée. Quand les gens vont venir là-bas, c'est vrai, vous ne votez pas les députés, mais pour le président de la République, ça doit être quelqu'un qui a fait un bon travail, qui a géré bien le pays, qui a répondu aux attentes de la population. C'est quelqu'un qui doit mériter une fois de plus la confiance de la population. Pas les gens qui vont venir et prendre la population comme étant justement leur vache laitière, où ils peuvent venir et obtenir des voix quand ils veulent. C'est pas ça. Voilà, mesdames et messieurs, qui met fin à cette émission pour aujourd'hui sur Congo Live Télévision. Voilà, nous sommes toujours au plus 243 9 98 72 43 14. Plus 243 9 98 72 43 14. Congo Live Télévision vous accompagne et tout au long de cette semaine, mesdames et messieurs, on sera là pour décrypter l'actualité. Bonne suite, dit-on, sur votre chaîne.